Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ravie de vous retrouver. Voilà, et donc ça, c'était une intro qui s'est totalement foirée. Bonjour à tous. ok, juste pour être sûr, ça pouvait ne pas marcher, c'était sûr, ça ne pouvait pas marcher autre comme ça. Est-ce que au moins vous avez vu le jeu arriver avec le titre et tout? C'est ça que je voulais surtout avoir, et avec le son aussi. Ok, c'est bon, ok, ça marche, c'est bon. C'est juste que bah, le jeu c'est tellement de la merde que je peux pas faire un retour parce que en plein écran je peux pas faire Alt Tab pour revenir. Du coup bah je pouvais pas lancer l'intro. Voilà, allez, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Comment ça va? Voilà, moi ça va très bien voilà. Ça va très bien. On adore faire des intros qui fonctionnent à moitié, mais je me rattraperai pour la fin du jeu. Voilà, je dis directement les trucs. Ok, on va partir directement en game scene et bah, je vous relance le jeu. Je vous remets le truc, je m'enlève le plein écran et on peut partir. Voilà. Ah là là, coucou Mira. Ah oui, coucou Mira, forcément. Ok. J'ai eu peur, le jeu en plus il s'est pas lancé genre tout de suite, parce que c'est un gros jeu, et forcément il plante. Mais tout va bien. Waouh! On va jouer à quoi aujourd'hui? T3 Become Human, comment ça va tout le monde? Ah là là. Non mais quand on prépare les intros, forcément il y a des trucs qu'on prend pas en compte, genre le plein écran qui bug. Bonjour madame. Votre journée s'est bien passée? Bah, super et Ravi de vous? vous revoir. Moi aussi. Ok, option, on va tout de suite Faire faire un le tour truc. au menu des options. Par contre tu vas pas dire à chaque fois ce que je fais, merci bien beaucoup. Fenêtre sans bordure, oui, appliquée. Voilà, comme ça je peux au moins faire un petit alt tab comme il faut. Ok, je vais fermer Discord. Enfin Discord, je vais pas fermer, mais ok. Je vais fermer ma propre page, je suis pas con. Ok, j'ai Streamlabs ici, c'est bon, vous voyez tout forcément, c'est beau, putain la technologie. Ok! Et bon, on peut y aller. Vos paramètres ont été sauvegardés. Merci beaucoup, namasté. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir. C'est Mister Power, on se retrouve aujourd'hui pour un stream. J'ai patienté les 10 minutes devant l'ordi. Et plus ça arrivait à zéro, plus je stressais en mode. L'intro va tellement partir en couille. Oui, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, ça se passe vraiment comme tu l'avais prévu, c'est-à-dire pas comme tu Vous l'avais avez les prévu. traits tirés. Est-ce que tu peux faire. J'espère que vous allez bien. Tu peux faire mon intro? Merci. Du coup, bah oui, on se retrouve sur D3 Become Human parce que ce jeu est une pépite, de ce que j'ai entendu. Parce que ce jeu, apparemment, est très intéressant au niveau du gameplay, mais au niveau de l'histoire, au niveau des messages qu'il y a derrière. Enfin bref, s'il y a des messages derrière. Je vous remets juste en place avec le téléphone, vu que le téléphone a des bords ronds, il glisse, ce qui est chiant. C'est une saloperie. Hein. Merci beaucoup. Ça marchait mieux la technologie. Eh oui, c'est fou. Putain, pourquoi tu bouges? Bon, ça marche comme ça? Ça marche comme ça. Ok. Du coup. Non, ça marche pas. Ok, ça marche mieux? C'est bon, ça marche. Et tiens. Donc bah du coup voilà, donc j'ai fait les réglages hier, cette nuit du coup, hein, pendant qu'il s'est téléchargé. Donc j'ai fait les réglages, hein, j'ai les 100 français par pure volonté, parce que je trouve que la voix française en tout cas sur elle a l'air bien. Donc je pense que la voix française dans les trucs vont être cool, donc je vais. Voilà. Et puis c'est vrai que ouais, elle m'a accueilli avec une voix française, j'ai remis la voix anglaise. La voix anglaise, elle est pas trop, j'étais en mode ok, on va rester Si sur le vous français. trouvez le jeu trop facile ou trop difficile, n'oubliez pas que vous pouvez changer les paramètres de difficulté dans le menu des options. Voilà, sachez que le menu des options permet de modifier les paramètres dans un jeu. C'est fou ça. Bref, nouvelle histoire. Et je me tais.
Ok. Bon, c'est une courte cinématique. Ok, d'accord. Alors, je vais juste faire un truc. J'ai juste le menu chiant de reshade. Je crois que vous le voyez aussi, du coup. Ah non, vous voyez pas. Ok. Bon, moi, j'ai un menu reshade. Parce que c'est pour les shaders. C'est le truc qui gère les shaders du jeu. Qui juste s'est affiché et il veut pas se barrer. Alors, il est pas chiant en soi, mais c'est juste que ben, pour l'immersion, c'est un peu nul. Ok, skip tutorial. Voilà, oui. Reload, je m'en fous. Je veux juste que tu te fermes. Tu peux, genre, te barrer. Settings. Position on screen. Non, casse-toi. Arrête, je ne veux pas te voir. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. View, peut-être. Désolé. Hein. Forcément, t'as des trucs qui sont là et c'est chiant. Et je pense que... Non, vous le voyez pas. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment juste un truc qui est à part du jeu. Donc, bon, vous le voyez pas, mais forcément, c'est chiant. Style, peut-être. D'accord. Par défaut, mais oui, mais j'aimerais qu'il se barre. Oui, non, mais en plus, c'est pour me dire que c'est en défaut preset, je m'en bats les couilles. Pourquoi il veut pas se barrer? C'est-à-dire qu'il est là non-stop et je peux pas le virer. Je veux pas qu'il soit là, en fait. Oh, le live de la loose. Ah, mais c'est ça? Genre, frérot? Pourquoi? Bon, je suppose que c'est parce que dans le jeu, je peux modifier les trucs à ma guise. Ah, c'est bon, il s'est barré. Putain, fantastique. Ok, donc, forcément, donc ça, c'était un truc à part. Maintenant, on va modifier un truc, les vidéos. Alors, limite de FPS, on va mettre à 60, parce que voilà, il y a un minimum de respect appliqué, voilà. Je vais voir déjà si ça change quelque chose. Ça change quelque chose, ok. Non, arrêtez, je ne peux pas la laisser. Ah, ok. D'accord. Comment ça marche? Comment je joue au jeu? Comment je peux jouer au jeu? Juste tac 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 tac, on va encore faire un truc. La forcément, ça c'est ce qui arrive à chaque début de jeu, hein, de ce genre de jeu, c'est quand non, on ne peut pas se décider. Oh, est-ce que je prends cette photo? Juste tac, voilà, je vais augmenter la sensi à fond parce que il est lent du cul pour se déplacer la main. Donc, est-ce que je peux... D'accord. Oh, c'est une famille, quoi. Comment ça marche? Attends. Opposé, ils disent que c'est ça. Donc tu vas vers le bas et tu tournes. Ah ouais. Bonjour. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un autre rue? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Éloignez cette drogue, ma fille! Ne laissez pas cette drogue s'approcher d'elle! Éloignez-le! Pas une seconde à l'autre! J'en ai rien à battre! Les hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre! Merde! Allez où? Allez voir le commandant Allen d'abord, ok. Juste, est-ce que le son du jeu, parce que moi il est un peu... Enfin, bon, il est un peu trop fort pour moi, donc je vais le baisser, mais est-ce qu'il est bon pour vous? Est-ce qu'il est aussi un peu fort? D'accord, il y a que ça. Genre c'est que le volume principal. D'accord. Un peu faible, mais... Ah, il est un peu faible pour vous? Moi, il me gueule dans les oreilles. Attendez, je vais juste... Bah du coup, je vais augmenter le son du système. Ouais, je peux augmenter le son du système. De sur Streamlabs. Voilà, donc vous me dites. Quand
commandant Allen. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom ? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose ? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Donne-moi son comportement, oui. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant ? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Chaque seconde compte. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. C'est vrai que blablater, c'est pas forcément le truc. Comment ça s'est passé ? Sauver l'otage à tout prix. Non, bon, on va sauver l'otage à tout prix, hein, pour le coup. Où je fouille la chambre d'otage. Sarah Connor. Bonjour ! Il va faire l'état des lieux. Oui, putain. Voici Daniel, l'androïde le plus cool au monde. Dis bonjour, Daniel. Bonjour. Tu es mon copain. On sera toujours ensemble. Ouais. Alors, ouais. Alors, je vais pas m'avancer dessus, hein. c'est pas le fait d'être un droïde qui me gêne, c'est le fait qu'il soit genre 20 ans plus vieux qu'elle. Genre littéralement, elle a genre 13 ans, il en a, bon 20 ans plus vieux, peut-être pas, il en a je sais pas 26. What the fuck. Après c'est juste son copain, hein, mais bon d'accord. Vas-y, qu'est-ce que t'écoutes, gamine? Ah, elle écoutait du truc bien, hein. Petit rock là. Allez-vous-en ! Dégagez, je vous dis ! Partez ou je saute ! I am the negotiator ! Bonjour. Premier sur les lieux, d'accord. Bon, j'ai interne, donc blessure de flingue, ok, d'accord. Oui, non, mais ça, je l'ai déjà vu, ok. Il y a clairement un truc à la tête, je crois. Ouais, tac. Il est décédé! Sans déconner! Oui, voilà, la main, peut-être. Ah, il s'est battu ? Résidu de poudre. Non, d'accord. Donc lui aussi, il avait un flingue, quoi. Vas-y, reconstitue. Attirer sur le déviant. Là, oui, il y a un truc par terre. L'otage a assisté à la fusillade. Ah putain, merde. Ok. Okay, apparemment, il y a des indices ici. Le flingue est parti là-bas. Ok, l'arme a été localisée. Super. C'est tout ? Ok, c'est tout. Bon, bah c'est bon. Merde, pardon. Ah, se baisser! Ah! Putain, mais. What? Ok, d'accord, je sais pas quoi, mais ok. Prendre. Non, mais ne le prends pas comme ça, va le donner. On va aller parler au mec, hein. Non, il manque des informations, genre pourquoi il a fait ça.
père de Viking, je suppose. Bonne fille, ça, ça c'était le père de Viking, ok. Enfin, c'était la victime, mais c'est le père de l'otage. Un gauche perforé, blessure pas balle, ok. Ah, mais il s'est pris deux balles. C'est-à-dire que l'autre lui avait vraiment. Lui en voulait sûrement vraiment. Donc, question de jalousie, je sais pas, ou un truc comme ça. Le droïde s'est dit, vas-y, j'ai le droit d'aimer ta fille, connard. Ouais, trois balles, ok, bah d'accord, pour moi c'est ça. Hein. Et clairement une histoire de haine ou un truc comme ça derrière, donc. Wouhou! Oh, j'ai qu'il claque des pieds! Ok, de toute façon, pardon. Ah, il était de dos. Le père tenait quelque chose, d'accord. Mais il était de dos surtout. C'est ça que je retiens. L'android, il a aucune race. Hein. Ouais. C'est quoi? C'est quoi que je viens de voir là? Ah, ok, c'est la tablette. Oh. Oh, d'accord. Bon, je disais de la merde, mais bon, il y a une question de jalousie derrière hein, quand même, mais c'est pas la même jalousie que je pensais. J'aime bien quand il se balade en mode ça fait beau ici hein. On attend quoi, Auguste? On devrait la battre si je l'ai bien en même de lui. 100. Bleu frais. Ah, c'est le sang du droïde. L600. Bah, c'est pas le même modèle que la meuf, du coup. Ouais, donc il allait clairement être remplacé, mais pour des fins. Douteuses, non? Bah, je dis des trucs de merde, mais. Écoutez, j'émets des hypothèses. Ensuite, tu auras le plan d'action. Ok, ce petit mouvement qu'il a fait, c'est pas dans tous les jeux que tu vois ça. Je note aussi ça, hein. Il manque encore des trucs? Ah oui. Oui. Ok, il manque des infos. Je dois parler à des gens ou c'est quoi qui manque? Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? Tu vas lui parler, oui ou non? Oui! Oh putain, mais calmez-vous! Oh, des pé... Hey! J'allais le faire, de toute façon, y'a rien à foutre ici. Je peux me déplacer? Oui? Non? Ok, d'accord. Aïe. Recule! Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! C'est pas sympa, mec. Je suis le FBI! Pas fun ça. Merci l'hélico. Je te demande de laisser partir Emma! Ce n'est qu'une fillette! Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire! Sûrement pas! Tu vas me buter dès que je l'aurai embrassé! Je suis pas idiot à ce point-là! Non! Réfléchis. Non, je suis pas idiot à ce point-là! Est-ce que t'es armé? Je vous dis la vérité. Oui. J'ai une arme. Lâche-la.
Pas un geste brusque ou je tire. Ok. Voilà. Au moins, y'a pas de choix. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Oh, rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Confiance, Daniel! Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je veux pas mourir! C'était un choix rapide. Et ce qu'on veut, c'est... Je faisais en sorte qu'il meure. Je voulais faire en sorte qu'il ne meure pas. Mais j'avais peur que les deux autres choix ne soient pas bons. Mais bon, si l'émission est accomplie. Non, je déconne. C'était peut-être pas le meilleur choix à faire. Je sais pas. Ah. Ok, je crois que ça va être que ça le jeu. C'est-à-dire des choix, et à la fin tu te dis, c'était pas le bon choix, et à la fin t'as mal. Ok. Connor est mort en protégeant... Oui, parce que du coup je suis mort. Du coup mission accomplie, mais pas vraiment. faut que je revienne ici. Faut que je revienne... Quoi, il faut que je revienne, c'est ça? Continuer? Ok, non, c'est juste qu'il me montre les arbres. Ok. Après, déjà un mort, mec, je bosse avec les flics. Hein. Allez, Zoé, on y va. Les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux bonjour études supérieures. Bonjour. Wow. Mon cœur, regarde-moi ça. Et c'est combien de Eh mec, t'es déjà raconté l'histoire où à un moment, c'est une humaine, elle arrive, elle croit qu'elle veut m'acheter en fait. Il effectue absolument tout l'entretien domestique. Oh. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. On prend. C'est un mec. Si vous voulez nous suivre, on nous a repassé commande. Excusez-moi, combien vous tirez là? Le prix du FP 800 est un peu plus élevé, mais il a un peu beaucoup d'autres fonctions. Mais
Je peux vous le montrer par ici. Est-ce que vous croyez que les bugs racistes en 2038 ça compte encore? Est-ce que vous croyez que ça va? Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Poupette! Je m'appelle Kara. Oh. Est-ce que j'ai droit d'être médisant? Non, on va pas le faire dès le début du jeu. Non, ouais, ça a l'air d'être un brave type. Ok, alors les premiers points que j'ai à dire sur ce jeu là, en commençant et sans aborder le gameplay ou ni rien, c'est les aspects techniques. Les graphismes sont incroyables. Les animations, etc., quand on bouge. Alors, le fait de devoir cliquer, faire un mouvement avec la souris, c'est un peu chelou. Mais. Bon, en vrai, il y a un espèce de côté immersif où, tu sais, pour glisser, débloquer, il faut glisser, cliquer et glisser la souris. Mais. Ouais. Le jeu est beau et. Au niveau ouais, de l'ambiance, etc., ouais, le jeu, il arrive très bien. Et l'histoire, je suppose que ça va être encore mieux. Dans un monde régi par la robotique et l'informatique. Dans un monde où humains et droïdes partagent la ville. Dans un monde où les droïdes se rechargent comme des voitures électriques, car ils sont électriques. Dans un monde où malgré les droïdes, les inégalités sociales existent encore, ils vont en rajouter une. La discrimination des droïdes, justement. Dans ce monde, écrit et dirigé par David Cage. Detroit, become human. Oh, c'est bon, pas même, c'est la même chose. Truc électrique, ils font plus. Vous parlez? Non. Attendez que je vous aide. Foutre. Salut. Salut mec. Ouais, court plus vite que moi. Ça, on a la boutique Bellini. Ouais. Ok, alors attends, je vais juste voir un truc. Il y a une espèce de flou mouvement quand je bouge, par contre. Il me fait mal aux yeux dans chacun des jeux. De mouvement. Non, voilà. Ah, ça devient rouge après. Fou. Mais ils ont inventé un monde en entier. GPS, boutique Bellini. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire en attendant? Parce que là je vois il y a des... Ah oui non, les trucs loqués c'est quand... oui. Pardon? Pardon, attends, pardon. Tu reviens là. C'est à cause de connasses comme toi là. Que le monde il est dégueulasse. Hein? Ouais, arrête ton téléphone. Putain. 2038 et toujours des humains aussi cons. C'est peut-être pour ça qu'il y a des androïdes d'ailleurs. Je dis les termes moi. Je suis un droïde et je dis les termes à des humains qui m'ont construit. Sauf que moi ils ont construit mes disques durs et ils ont construit mes données. Moi je leur construis un peu le cerveau. Ça sonne mieux dans ma tête. Rebelle le mec. Mec, je suis un droïde. Je suis un droïde, je suis forcément rebelle. Tu sais, le pouvoir et le soulèvement des machines et tout, ça pue.
Oh putain, j'ai pas ouvert une porte. Oh le con. Oh le mec, il donne des messages, il gueule et il sait pas ouvrir une porte. Identification vérifiée. C'est un droïde, un autre droïde. Les androïdes pour clean là, ouais bah quand je fais ça et que je dis que c'est pas parce qu'il y a des femmes de ménage, on me dit que c'est pas, ça se fait pas. Hein. Ça fera alors, $3.99. Merci de confirmer. Je ne payerai pas. Quoi? Paiement confirmé. Transaction effectuée. On dirait la bague. Oh, je vais pas le prendre, je le paye, je le prends pas, nique ta main. Il y a tellement des trucs un peu stupides, genre dans le fait qu'il faut prendre les choses, payer, etc. Genre t'as tellement envie de pas payer ou de pas prendre le truc après l'avoir payé, c'est débile. Mais c'est des robots après tout. Tu peux lui parler ? Non, ok. Oui, le bus se trouve pas par là, nanana. Le bus il est où ? Là-bas, ok. Androïdes nous volent notre endroit. Eh, tu remplaces ça par autre chose à notre époque et c'est bon. Non, vous voulez de l'argent pour bouffer. C'est nuance. Là, vous voulez du travail. Si vous voulez de l'argent. Et les androïdes, ils sont à l'arrière du bus. Je crois que j'ai vu le message. Je crois que j'ai compris le message dans le jeu, là. C'est bon. Ça va être ségrégation, mais pas raciale, si tu veux. C'est une ségrégation, mais de... De composants. Matière organique et matière numérique. Matière informatique. Putain, oui, informatique. Électrique, électronique, bref. C'est ce genre de jeu donc. Mec qui fait des messages là. Oui, j'ai pris le bus. Mais quoi? Mais tu vois, là il dit qu'il y avait autre chose à faire, mais. Ça me déçoit. Bon, je fais gaffe la prochaine fois. J'avoue que si tu fais le jeu vraiment linéairement. Ça va être tellement chiant, y'a rien qui se passe dans ton jeu. C'est vraiment le jeu où faut apprendre à explorer. Faut explorer mon vieux. Bah oui, c'est pour ça. Donc c'est bizarre parce que enfin la manière qu'elle a de se déplacer par contre elle est enfin lente déjà. Elle est bizarre, genre enfin la caméra, les moments de caméra etc sont... On a un truc bizarre, ce qui fait que j'ai pas vraiment envie en fait de explorer. Non mais attends, je vais régler ça dans les réglages, je vais faire ça dans les réglages. Alors, tu viens ? Attends, je vais... je sais déjà ce qui me manque. Ça c'est le maximum. Ok, raccourci clavier, je m'en fous. Tac, 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 vidéo. Je pense que... Ça va peut-être modifier quelque chose. Ah bah voilà, oui, c'est la résolution. Je suis un peu con, moi, je mets une résolution trop haute par rapport à mon écran. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ma portelle, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel.
Ouais, donc. Ouais, d'accord, c'est. Ok. Donc c'est pas un mec recommandable. Tu vas à l'étage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un mec recommandable. Il est pas. Il a pas l'air méchant en soi, mais c'est un connard. Tâche urgente, tâche optionnelle. Je peux lui casser la gueule, est-ce que c'est une tâche urgente ou optionnelle? Je vais faire ce qu'il me dit pour l'instant. Non pas comme la bonne femme que je suis, mais comme le beau robot que je suis. Ouais. Posé, il y a déjà trop de bordel sur le truc. Ça dépend de ce que tu veux. Est-ce qu'il y a trop de trucs déjà dedans? Non, what the fuck. Le lave-vaisselle ne fonctionne pas. Je peux t'en trouver. Ouais, ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où? Ouais. Oh, vraiment là? Passe la vaisselle, je fais la vaisselle simulator quoi, putain. Genre abandonner? Non, tu peux abandonner. Ah. Allumez télé. Alice. Cara, oui, Todd. File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain. Ah, il est beau ton match, mec. Mais dégage de là, putain. Désolé, Todd. Ça ne se reproduira pas. Oh, que tu crois ça? Oh non, je peux pas! Oh, je peux vraiment pas! Dommage. Déçu. À côté d'un chantier immense. Tu n'as pas école aujourd'hui? Tu aimes jouer dans le jardin? J'ai pas compris le. Attends, c'est quoi? Faut que je regarde? Bah, faut que je clique et faut que je. Machine la souris, bon, c'est pas grave. Je vais le coup de main au bout d'un moment.
Oula. Oh. De la drogue. Non, quelque chose de... Pas nécessairement de la drogue, mais quelque chose de mortel. D'accord. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je fais ta vaisselle, frérot. Je fais ta... Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Sauf si tu veux mettre en rogne. Tu veux mettre en rogne. Non, Tony. Je passais dans la télé là. Ah, elle se cache pour regarder la télé. Peut lui parler encore? Non, ah, dommage. Je continue d'explorer un petit peu, il y a quoi d'autre? Des gros problèmes d'argent, quoi. Ils ont modélisé les pas sur les marches, mais sur les bonnes marches. C'est fou. Je peux aller parler à des gens, je peux faire des trucs. Ok, d'accord. Je ne peux pas. Putain, j'hallucine. Non. On me présente à Todd. Tu peux monter ? Non. Ranger au rez-de-chaussée, d'accord. Forcément que je range. Ah! On va repasser devant? J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Bah, je vais niquer ta mère. Enfin... Au bout d'un moment, tu vas comprendre ce que c'est, un bout d'androïde dans la bouche. Peux te parler, gamine? On va parler un petit peu à faire, toi et moi. Oui. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle? La langue ou quoi?
Ah mais attends, il y a une page, j'ai pas vu. Moins de 2 heures. Introduction. Oui, d'accord, donc c'est vraiment. Je pense qu'elle a un trauma. Oui, non, mais oui, elle a un trauma, clairement, mais. Ok. 34%, bah oui, le marché de l'immobilier, tu m'étonnes. D'accord. Attends, New York nous pique nos maisons. Eh ouais. Ok, d'accord. Il était marqué en devant. Non, mais c'est ça, hein. Genre vraiment, la vitesse de pointe à 2000, plus de 2000, juste parce que. Oh, on a enlevé la friction, ouais. Ok. Le mec, vous êtes des chauds. Non, mais c'est 2038, tu comprends. Oh, dans le futur, mec. Waterbark Android, Slam Dunk, attention avec la Gary Gibson, ok. Gibbons, pardon. Ok, suivant. Ok, je fais la même à pied. Le prix de la vie, comment la vie est dans ce condition, quoi ? De vie ou de mort ? Ah, ça c'est. Ouais. C'est cela, quoi. Quand t'as vécu son conducteur pour avoir un accident, ça va avoir. D'accord, donc là c'est clairement genre. C'est clairement genre une question d'éthique qui est juste pas respectée quoi. Il distribue des valeurs en mode bon bah lui est moins important que lui parce qu'il a pas d'enfant, parce qu'il est seul, parce que voilà, d'accord. C'est comme ça alors. C'est le meilleur choix possible et pour cela il doit faire toutes les mains. Oui, d'accord. Enfin le principe c'est de tuer personne. Alors j'ai fait de très mauvais exemple avec Connor au début mais. Parce que j'ai tué 2 personnes du coup. Alors ça par contre le prix de la vie c'est vrai, il y a vraiment des gens qui ont eu. Alors je peut-être pas dans la vraie vie. Mais tu sais c'est la fameuse question et en fait c'est la question piège. Genre parce que la réponse c'est genre bah personne connard. Antidépresseur, ok. Risque des troubles du comportement, d'accord. Il y a un flingue, d'accord. Je peux récupérer le flingue ? Non ? Ok. Mais... Information débloquée. Ah, je vais pouvoir lui parler. Enfin, je sais pas, mais je pense que oui. Il y a vraiment eu un débat là-dessus quand ils ont parlé d'un. Oui, je sais, j'avais vu. Bah oui, on avait tous vu les IA, genre quand t'as une vieille, quand t'as un truc comme ça, t'es en mode, mais enfin, frérot. Ouais, il joue de la guitare, le Todd, donc je peux pas vraiment lui en vouloir. Non, je déconne. Oh, j'ai fait tomber un document super important. J'ai bizarrement peur de ce qu'il y a dessus. Est-ce que c'est normal? J'ai pas vraiment vu ce qu'il y avait dessus. Donc des parties des messages. Oui, alors attends, ça c'est bien que tu me le dises. Tac 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 tac. Vas-y, est-ce que vous pouvez parler dans le chat vite fait? C'est pas du tout pour me faire de la visibilité. Que je vois le. Tuxu, ok. D'accord, ok. Pourquoi il fait ça, mais ok. Ah non, ça c'est le live overlay, je mange la chatbox. Ok, on va le mettre là, voilà, c'est bien. Ok, merci d'avoir dit. Je veux voir ce que c'est qu'elle a vu, parce que bizarrement c'est un truc très bizarre. Alors je pense que ça a débloqué quelque chose de pouvoir parler.
Aéré image, yes. D'accord, faut que je clique les deux, ok. Ouais. Bah les couilles du match de hockey. On veut parler de l'économie nationale avec les robots. Alors on va voir la gamine. Bouge-toi de là. Je vais t'enculer à sec. Oh, je suis une meuf, mais je vais t'enculer. Je vais même pas nettoyer tes chiottes, bâtard. Et je vais rester poli, hein. Le sourire. Souris, s'il te plaît. Non, d'accord. Souris sur le gâteau. Pardon. Laver le sol au plus puant encore. Hein. Ok. Pardon. Non, ça plus jamais. Ouais, d'accord, ok. Je comprends. Et on lave ce sol trempé. Et on lave la maison de ce. Même pas tu toques, bâtard. Mais non, mais voilà, mais t'es con. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ah oui, oui, bah oui. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Réponds, meuf, s'il te plaît, réponds. Pardon. Ouais, sans déconner, j'ai vu ton message, bâtard. Je peux la regarder? Attends, apparemment je peux la regarder. D'accord, c'est très chelou hein, quand même. Je te regarde! Je te vois. C'est pas toi, je te vois. Bah ouais, enfin, c'est une boîte à secret. Genre. L'ouvre pas, s'il te plaît. Un peu de décence. Espèce de robot. Oh, c'est mignon. C'est moche parce que ce sont des enfants, mais c'est mignon. Tu aimes lire, on dirait. Peut-être qu'il s'est remise d'un coup en mode non-expression. Je veux te parler, s'il te plaît. Vas-y, je vais faire son lit, ça se trouve, ça va te faire sortir. Oui, ok, putain, super. Diplomate avec une gosse. Ouais, let's go. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Non. Bah, le sujet de la maman, on va éviter. Hein. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Attends, j'ai gagné en confiance ou j'ai perdu sa confiance? J'ai gagné sa confiance, ok. J'ai gagné sa confiance mais à un niveau où j'aurais pas espéré, je pense. D'accord, et je pense que... Ah ok, c'est la boîte à secret, ok. Ok, oui, d'accord, on a bien gagné sa confiance du coup. Yeah.
Il y a du sang sur le sur la tête là. Ok. C'est pas de, c'est, je crois que ça raconte une histoire et c'est pas dans le bon ordre ou un truc comme ça. Ouais, ok, d'accord, c'est ça. C'était sûr. C'est le daron qui a juste fracassé la robot et qui l'a réparé en mode ah non, elle a eu un accident, voilà. Ah, il l'a démembré carrément. Ah oui, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. La fille qu'on a vue, qu'il l'avait dans le dessin, qu'il l'avait, parce que peut-être que l'histoire est dans l'ordre, et je pense. Et je pense que la fille qu'il a, parce qu'apparemment, quand on allait, quand au tout début là, de ce scénario, quand il est allé voir la robot, quand il a acheté le robot, il a fait oui, enfin l'autre, lui a, le vendeur lui a demandé son prénom, le prénom qu'il voulait donner au robot, et il a dit ma fille. Ah non, oui non, c'est sa fille qui a donné le nom à donner au robot. Ok, oui non, pardon. J'allais dire parce que ça se trouve en fait c'est une deuxième fille, et ça se trouve la fille là qu'on a vu se prendre un coup sur le dent en sang. C'est en fait sa deuxième fille que lui a tuée, mais peut-être pas en fait. Non, non, oui, non, c'est sa fille qui a juste donné le prénom à donner. Mais sur toutes les histoires là qu'on va voir ont un lien. Ah oui, ok, oui, non, parce qu'on voit les mêmes persos, donc quoi. Ouais. Il va y avoir un lien après. Des oiseaux robots. Non, vraiment. Ah, c'est une tête. Oui, de loin, c'est une tête. Ok, d'accord.
Non, ok. Conflit dans l'Arctique. Pourquoi la Russie veut s'en emparer, donc ça c'est quoi? Trésor gelé, minerai emprisonné, ok, d'accord. Un truc classique quoi, encore une fois. Ok. Ok. Par contre, comment ça le pôle Nord existe encore dans le futur, c'est utopique. Parce que les events en 2022 et en 2023, il aura soulevé assez de fonds pour protéger la banquise. Je jure. Je fais qu'ils mettent en trois coups les argentés. Aïe, carrément. Elle est empaillée. Il y a une girafe. Empaillé dans son salon. Bon, bah déjà faut avoir le grand salon qui va avec, mais the fuck quoi. C'est beau, c'est beau. On applaudit. Là, t'inquiète, c'est ça. Trophée de classe, pardon, j'ai compris. J'ai du trophée de classe, j'étais en mode quoi? Bah, pas chez toi, toi? Bah, non. Malheureusement, non. Ok, je vais aller réveiller l'autre là en haut. Enfin, explorer et ensuite aller réveiller encore une fois. Ouah, j'avais pas vu le lustre. Ah ouais. Oh, le mec a des chérubins mais partout. Ah ouais. Ok. Non mais c'est des chérubins sirènes hein. Enfin genre c'est plus des pieds ça, c'est des pieds en 2D. C'est des palmes, c'est des ouais. The fuck. J'avais pas vu. J'allais dire c'est un truc genre Romulus et Rémus, mais non pas du tout parce que c'est même pas une louve. C'est con. J'aurais pu faire un bon sujet, mais non. Oh, le réveil de la manière forte. Oh, tout vous direct les rideaux. Bah, apparemment, c'est ça que je dois faire, donc bah, vas-y, let's go. Hein. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Oh, des fœtus morts, c'est littéralement. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Ok, là par exemple, c'est une bonne utilisation d'un robot. T'es vieux, t'es... Enfin, vieux, même pas forcément vieux. Comment? Mobilité réduite. Infirme, voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc forcément, ouais, t'as besoin de quelqu'un... Bah, bon. Un robot ou quelqu'un. Mais là, c'est un robot, donc forcément, il n'oublie jamais. Il est... Voilà, quoi. Donc, Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Ce nom...
Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Princesse, oh. Princesse de 80 ans. Il y a quelque chose dans mon agenda. J'allais drifter avec le truc. Le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre ? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo ? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je voudrais prendre mon petit déjeuner avant midi, si ça ne te fait rien. En gros, je suis lent. Je sais que c'était cette porte-là, mais je voulais voir si le jeu en fait me guidait tout seul. Là, c'est des escaliers, là ? Ah oui. Ah oui, il y a un truc okay, pour accrocher. Je crois que c'est ça, la grosse machine. Oui, c'est ça. Tu te démerdes, grand-père ! Un monte-escalier, Stana ! Ah ouais, mais là il est puissant le monte escalier. Hein. Hop on monte papy. Pardon. Ah mon dieu. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs comme vous les aimez. Merci Marcus. De rien. Avec plaisir. Oh, il roule même pas. Il glisse. Suspense? Suspense? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, des bacon et des œufs. Sans déconner! Pardon. Télévision. C'est bizarre, c'est très d'actualité quand même. Hein. Mais c'est pas l'Arctique aujourd'hui. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Mmh. Parallèlement, la nuit dernière, l'ambassade américaine a insisté sur le fait que l'ONU, lors d'une réunion d'urgence, s'était opposée fermement à cette annexion, allant jusqu'à la déclarer injuste. Je sais pas si ça compte comme un truc. Je sais que je l'ai déjà lu, mais je sais pas si ça compte comme un truc, genre à faire. Lire. Le secrétaire des Nations Unies, Douglas Cordwell, a annoncé lors d'une conférence de presse que nous n'avions jamais été aussi proches d'une troisième guerre mondiale. Il enjoint à la Russie et aux États-Unis. Donc on parlait de trucs dans le futur, là, la banquise est toujours là dans le futur, machin. Troisième guerre mondiale ? Ah, c'est pas vraiment dans le futur, là, c'est dans le présent, je crois. Ah oui, Wicker, mais il était en place. Une petite partie d'échecs ? Oui, d'accord. Une partie rapide. Va pour une partie rapide. J'ai un peu le temps. Je
C'est ce que j'appelle une déculottée. Ce n'est pas facile pour un vieil homme de tenir tête à une machine. Eh bien, je sais que vous n'aimez pas perdre et vous n'aimez pas non plus que je vous laisse gagner, alors je n'avais pas vraiment le choix. C'est vrai, les humains sont compliqués. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Super sympa le vieux. Ouais, ça. T'as vu, il perd un jeu et il te donne un conseil sur la vie. Et alors qu'il y en a ici dans le dans ce chat qui genre péterait un câble dans la manette et tuerait la personne en face. Mais ok. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Oh putain. On sort le max, j'en étais sûr. C'était juste ça, ranger l'atelier ? Non. Faudra un jour que je lui dise que ces trucs sont moches. le robot de... Ah sinon ça va, celui-là il vient... Ça n'existe pas. C'est ça. Ah c'est ça, on t'a oublié mec. Alors, par contre, le mage, le caps lock, là, on va le dire. Hein. Simple fragment de son esprit, c'est ça. Alors, quel est ton verdict, Marcus ? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi tu as du talent. Oh. Essaye un peu. Sachant essaye que l'art. Quelque chose. Sachant que la peinture c'est de l'art et l'art c'est une représentation des sentiments, des émotions. Fais un essai. Voir ce que. Voyons voir ce que ce que Marcus arrive à pouvoir faire. Sachant que c'est un simple robot. Entre très gros guillemets. Si on reproduit la peinture de Karl, j'ai peur qu'ils se disent en mode peindre le bureau. Peindre le bureau, ouais. Très bonne idée, ça. Et si on reproduit la peinture de Karl, j'ai peur que tu sais, ils soient là en mode putain, tu la reproduis mieux que moi, voilà, vas-y. Et que ça fasse comme les échecs où tu sais, il aime pas perdre. Sauf que théoriquement, il aurait pu du coup nous faire un autre message beau à propos des robots. Mais bon. Pfff.
conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. L'art n'est pas... Tu peux être le meilleur peintre du monde et avoir les meilleurs équipements et la meilleure technique. Plaisir. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Un truc que tu n'as jamais vu, l'humanité a de l'espoir. Finalement. Salut, papa. Léo ? Ça a pas l'air d'être un fils. Je t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Yo, Mr. White ! Hein. Tu vas bien ? Ouais, ça a pas l'air d'être un... Ouais. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, ouais. J'ai besoin de liquide, papa. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça. Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Ok. Mais je peux pas. Je pense que je peux les refaire, ouais. Je pourrais les refaire à un moment. Enfin, oui, je pense que oui. Et tout ça se passe le même jour, hein, si vous avez pas remarqué. 5 novembre. Ah, et on retrouve Connor, avant qu'il meure. À la fin, je pense. Ouais, je pense que c'est à la fin que je peux les refaire.
Jimmy Peterson, chef d'entreprise. Qu'est-ce qui survient? Je très bien. Toi, c'est qui? Agent de sécurité, Derek Myers, très bien. Christopher Grey, comment ils ont des adivres? Bien comment la tête dans la vraie vie et la tête qu'ils ont pris ne ressemble pas du tout. Il y a le bonnet, mais bon, quand même. Jonah Graham, sans emploi, ok. T'as un problème. Edward Dempsey, administrateur. Tu veux me payer. Kim Johan, livreur actuellement sans emploi. Ah merde, violence domestique. Ah. Ou c'est le seul que j'aurais pas? Si c'est lui. Lieutenant Ambrose, c'était sûr. C'est ce que je pensais. Ouais, mais je vais pas les faire maintenant. Samuel McCray, Docker. Je sais pas ce que c'est un Docker, mais ok. Pas un truc dans les docks, du coup, un truc comme ça. Donc truc de bateau. Dennis Ward, trafic de stupéfiants. Ok, un comptable. Actuellement sans emploi d'ailleurs. Sans emploi, lui c'est juste un jeune. Voilà. Il est né en 98, donc ouais, c'est un jeune. Peut-être son père d'ailleurs, attends, j'ai pas vu. X Robert, ok. Et Dennis Ward, non, ok, donc c'est juste des mecs qui se connaissent peut-être. Non. Trouve-toi une côté, mon pote. Au cas où. Ok. Et pour un je veux investiguer, je veux chercher un petit peu au plus profond. Non, mais c'est bon. Ok. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu... Cinquième bar. On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Écoutez... Je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre? Non. Où ça? Laisse tomber. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. Bon, du coup, il va devoir bosser pendant qu'il est bourré. Hein. Cette expression faciale qu'il a fait, le dit homicide, ils l'ont tellement nailed, ils l'ont tellement bien réussi. Bon, t'attends ici, je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Joss Douglas, mon cher Elsen,
Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. Ils ont dit quelque chose. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank! Oh non, en anglais, s'il vous plaît, Hank. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyeur nous a appelé vers 20h, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. Attends, moi je suis pas censé toucher, hein, mais Oh, bon, tu t'en veux, ça pue. J'étais encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Francis. Apparemment, il a un casier pour vol et... D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, ils sont des gars, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ils auraient pu leur prendre de la main. À vous de ça doit bien faire 3 semaines. Ah, 3 semaines qu'il est là? Il y a un petit peu de cuisine. Probablement là. Il y a des signes de fracture. Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime ? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Ah nice, ok, donc ça c'est la drogue, la fameuse drogue de l'autre là. Carlos Ortiz, heure estimée de la 11h30 environ. Oui, il a dit que ça faisait 3 semaines déjà qu'il était là. Écriture à 28 coups de couteau. Ok. Vol, coup et blessure aggravée. Ok, donc c'était déjà un mec qui était pas mal. Donc je pense que c'est un. Peut-être une baston, un règlement de compte, un truc comme ça. Victime est tombée, oui. Tombée à cause de quoi ? Une question, ça. Victime a été poignardée, oui, ça on a vu avec les coups de couteau, ok. Il venait de la cuisine, ok. C'est tout ? Je peux pas avoir le couteau ni rien, ok. Le mec a continué de le poignarder pendant qu'il était par terre et mort déjà. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. I am alive. Lettre normale. Et même la police. Ah, Cyber Life. Ah, donc, ok. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là ? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé. J'aurais dû vous prévenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord ? Compris. Putain de chien, mais j'hallucine. On s'est chez De Carlos. Voilà, et donc il y a plus de 19 jours, donc ouais, c'était ça. Environ 3 semaines. Ask. Ok. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la brinque, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons ?
C'est fait. Yep, ok. Oh, la victime se droguait. Non mais je voulais juste... Bon, c'était du sang en gros. Je pense que c'est ça qu'il voulait nous montrer. C'était du sang. C'est tout. Ok. Donc il droguait, c'était un pervers. Ok. Sans sécher, ok. Il vient pas le légiste. Il aurait dû arriver il y a une demi-heure. Empreinte, Carlartis, ok, donc c'est le mec qui est mort. Trace de lutte, ouais, donc là ils étaient dans la cuisine. Donc sûrement quelqu'un qu'il connaissait. Non, fantastique, putain. Pas dire ça, hein. On va les couilles. Ah, sans ça. Ah bon, aujourd'hui, ils utilisent pas de robots, hein, pas besoin de robots pour voler tes données et les revendre. Hein. Aujourd'hui, il manque un couteau du coup. Allez, tout le monde, on s'active, on va pas y passer la nuit. Pas de problème. Personne n'a envie de passer une minute de plus ici. Ou une batte de baseball. J'allais dire en anglais, baseball bat. Ok, donc c'est lui qui l'avait à la main. Boss, impact violent. D'accord. Ok, oui, ce qu'ils appellent des viands en gros, c'est les. Pas les androïdes qui ont pété un câble. Donc c'est pour ça que le mec est pas mort dès les premiers coups de batte. Ou en tout cas assommé en fait. Avec un choc émotionnel. Alors c'est pas émotionnel du coup, c'est un choc, justement. Ah non! Donc le déviant c'est juste défendu en fait. Un rapport, non, il manque des preuves. Toutes les preuves, je vais faire. Rak ou rag? Ra. Rag, apparemment. Ah. D'accord. Donc c'est clairement un mec qui était pas... bien dans sa tête. Le mec est mort, hein, pas le déviant. Le déviant, voilà. Oh, il a un masque. Il manque une preuve. Je sais pas où elle peut être. Ah bah tiens.
Il y a moins d'une heure. Ah bah oui, c'est eux. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Rat 9 plutôt. Ah, rat 9, je pense. Non, je vais regarder ça. R9. Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, putain, j'avais pas vu les gros 9. Ah oui, ok, c'est un. Ok, effectivement. J'avais pas vu le 9 du tout. Je pensais que des lettres. Ok, ok. Donc, pourquoi R9, je sais pas, mais ok. Peut-être un nom de bot. J'ai pas tout vu là. Si. Non, j'ai pas tout vu. Ah, attends, faut examiner. Ah, j'ai pas vu le couteau. Je me demandais aussi où était le couteau, je l'avais pas vu. Pas d'empreinte droïde. What? Ah ouais? Donc ok, bon, j'ai dit de la merde. S'ils appellent les déviants, c'est pas forcément les droïdes qui ont pété un câble, c'est juste des gens qui ont pété un câble, en soi. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... le salon. A voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie non, est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. R9, il a pas compris. Alors, R9. Non, enfin, non, du coup, c'est écrit en anglais, donc. R9. R9. Ah, je peux avoir, j'arrive pas à comprendre le truc que j'ai manqué du coup. Non, pas ça. De quoi j'ai pas compris alors? Que n'ai-je pas compris? Éclaire-moi! Je me sens si seul! Le truc sur les empreintes.
Ah oui, ok, donc c'est ce que tu m'as dit, c'est ce à quoi t'as répondu encore après. C'est juste que les androïdes laissent pas d'empreinte. Oui, ok, d'accord. Si c'est juste ça, oui, ok, d'accord, ouais. Oui, effectivement, ça paraît logique, parce que sinon, du coup, il y aurait pas eu d'empreinte et le couteau, quoi, il serait déplacé tout seul. Ou alors, le gars s'est auto-poignardé, il s'est suivi. Trace de sang bleu, on a dit. Et du sang rouge. Là. Ok. Oui, 20... Ouais, il s'est poignardé 28 fois en mode. Ah, ça a mis du temps à mourir, hein. Ah putain, oui, j'avais pas vu l'échelle. Putain, elle est trop sombre. Elle a la même couleur, elle est dans la texture. Ok, c'est le port tout seul de con. Ah, si tu prends l'échelle, je suis con. Enfin, t'es... Non, enfin, je suis pas con. Elle est plus agile, je suis désolé. Ah d'accord, ok. Ah oui, putain, ok, waouh. C'est bien. Je me demandais aussi, parce que s'il reste l'échelle, pourquoi il me demande de trouver un moyen de monter? Je suis pas con à ce point là. Ok, d'accord. Ah, je suis désolé. Non, c'est... alors, à tout hasard, elle serait peut-être dehors, parce que bon, un gros truc comme ça, je l'aurais vu sinon, si c'était à l'intérieur. Je peux pas sortir? D'accord, sûrement pas dehors. Alors bon, je vais pas chercher l'échelle, donc je vais juste monter moi-même, genre en escalade dans le truc. Ah là-bas. Détective Pépéga, c'est ça. Attends. Pourquoi je veux lire ça? Bon bah écoute, je vais lire ça, hein. Allez. Pour le sexe, c'est mieux avec des robots. Ouais, alors, ça rejoint ce qu'on disait tout au début, hein, le... Peut-être on a peut-être le pourquoi le père de famille, là, avait décidé de payer un autre droïde, enfin, une autre droïde. Non, attends, je voulais dire la page pour commentaire. Ah, c'est tout? Ok. Bon, voilà, voilà. Par contre, ouais, mais pourquoi il voulait que je prenne ça? Y'a un problème avec? Non, parce que j'ai déjà tout lui ici. J'ai oublié un truc apparemment avec ce bout là. Attends. Ah non, il y a une page 2, ok d'accord, je l'avais pas eu la page 2. Bah non, c'est... Bon, d'accord, ouais, non mais écoute... Ah là, il y a la chaise aussi, j'ai pas eu. Ah bah oui, bah tiens, la chaise, tac. On va la prendre pour monter. Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Bonheur. Monte. Ce jeu a une ambiance plus cyberpunk que cyberpunk lui-même, je pense. Enfin, c'est peut-être moi, j'ai pas joué encore à cyberpunk, mais de ce que j'en ai vu, c'est genre l'ambiance est un peu bizarre. Genre, dans cyberpunk, il y a les styles de building, il y a les graphismes, etc. Mais dans ce jeu, genre juste le fait que quand t'interagisses, il y a un petit rond qui fasse que
c'est à côté ou qui... En fait, tu sens que on sent que le jeu. Enfin, pas Cyberpunk en fait, c'est pas Cyberpunk que je veux dire. Oui, t'as pas trop le côté punk plus cyber, oui, effectivement. Mais en gros. Genre même dans les menus, en fait, c'est vraiment côté pas Droid, mais côté informatique, truc informatique, enfin oui, truc digital, machin. Et en gros, ouais, quand par exemple tu t'interagis avec des trucs, là tu vois le petit rond qui suit le mouvement de ce que tu es. Là par exemple, il vient de coller le mouvement de la jambe. Donc c'est. Enfin, en fait, tu sens que les éléments informatiques sont comme si tu étais dans le monde. Dans le jeu, en fait, enfin dans le monde avec les humains, au même titre que les PNJ et les autres trucs. Science-fiction. Oui, ouais, ça, enfin plus, ouais. Bonjour. Et connard, t'es prêt à mourir une deuxième fois? Voilà, c'est clairement un mannequin. Alors, j'aurais pas dit un mannequin, mais j'aurais dit un truc qui fait une forme de personnage. Avant, il part tout seul dans la direction. Je fais juste avancer, je peux pas bouger. Donc là, il y a rien à explorer vraiment, c'est juste linéaire. Il y a le méchant qui s'est barré par là, mais je vais y aller tranquillement. Pas le brusquer non plus. Salut. Ah non, c'est vraiment bien un droïde OS. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Ah, il n'y a même pas de choix à faire, ok. Putain de merde! Chris, Ben! Ramenez-vous en vitesse! Allez! Ah, j'ai cru que j'allais devoir prendre un choix super dur là. Ça va, le jeu me l'a enlevé. Yeah. Ah, pas encore, attends. Où est-ce que j'aurais pu faire un autre truc apparemment? Examiner la douche, prendre la statue, ouais. Il y avait un autre truc dans la douche? Ah, dans la salle de bain, il y avait un autre truc. Ah. Et j'aurais du coup que j'aurais pu faire. Ah. Connor, c'est ce qui est arrivé. Ok, d'accord, ok. Reconstitution du crime, et là c'était quoi? Genre tu peux te foirer? Ou alors je me suis foiré en fait, fallait. Ouais. Je sais pas. Mais d'accord, ok. Ah, on est ici. Todd? Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Ah non, ok, d'accord, je peux rien faire. On va porter le dîner, hein. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu.
allume la lumière. Oui. J'y vois que dalle. Oui, c'est ce que j'allais faire. Elle est où la lumière? Là. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent. Arrête de remuer, nom de Dieu! Tu me tapes sur les nerfs! Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros tard. Tout est de ta faute. Papa, non. Tout est de ta faute, putain. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Conscience, elle brise la barrière que le jeu nous mettait. En fait, c'est la barrière que elle s'est mise. C'est les robots. Mais comme ça, ça peut pas se raisonner. Viens avec moi. La troisième option sert à rien.
Je suppose que les autres choix c'était pour foirer le truc. Oui, bah ça c'était c'est ce que t'as réussi, ce que machin. J'avoue que les QTE t'es plutôt chaud. Donc ça c'est tous les choix de où est-ce que j'aurais pu me cacher, etc. Donc voilà. Rejoindre Alice avant Todd, ça c'est si vraiment t'es un gros connard qui a pas compris le but du jeu. Je déconne. Ça c'est si vraiment t'as pas réussi le QTE du début ou faut juste briser la barrière, ou alors que t'as vraiment attendu pour voir ce qui se passe, qui en soit est un choix possible. Briser la programmation, ouais voilà, ça c'est. Voilà, et je suppose que ça c'est un point de fin. Attends, je vais regarder la légende. Y'a. C'est quoi ça? Je pense que c'est un point de fin. Hein. Oui, il y a les déviants, voilà, c'est ceux qui arrivent à briser, à passer outre la barrière des règles, entre guillemets. Voilà, tu peux ne pas briser la programmation, mais dans tous les cas, ça t'arrive à rien, du coup, enfin, on peut se douter de ce qui se passe. Bon, du coup, donc, rejoindre Alice avant Todd, c'est après être devenu déviant, mais tu peux quand même prendre du temps, en fait. D'accord, parce que oui, il y a d'autres trucs que tu peux faire, mais qui peuvent quand même t'amener à s'enfuir. Alors, je vois pas ce que c'était. Genre, en tout cas, mon cerveau n'arrive pas à voir ces choix-là, de ce que c'est. Genre, pour moi, le principal, c'est vraiment juste tu fonces à l'étage et tu fais en sorte de la planquer. Apparemment, il y avait d'autres moyens de le faire, mais ok, d'accord. Ça m'intrigue pour le coup, ce passage-là. Genre, t'as d'autres moyens de réussir, mais tout en faisant totalement autre chose. Genre en n'arrivant pas en premier par exemple. Enfin en première. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Ah. Oups. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Carl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. T'es sûr, papy? T'as envie? Est-ce que je l'emmène avec moi? Ah, je peux choisir ce que... Non, non. Ah oui, il y a quelqu'un, oui. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici! Soyez raisonnable, ça ne vous mènera nulle part. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant, allez, et maintenant! Qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille! Allez, montre ce que t'as dans le ventre! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends?
Surtout, ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Arrête. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as Arrête. Trop peur pour te battre, espèce de fiotte. Parce que t'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. Carl, non. Non. Carl, non. Les humains sont des machines fragiles. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père. Non. Je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde. Ça aurait pas dû réagir. J'ai pas réagi. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai pas réagi. Le jeu a réagi tout seul. Ensuite, du coup, pour avancer, il m'a forcé à briser la barrière. Mais c'est après. J'aurais pu réagir et j'ai choisi d'endurer. C'est ce qui avait marqué. Là, regarde, tac. Casser le palais mental, Marcus devient déviant, obéir à Carl. J'aurais pu ne pas obéir à Carl. T'avais pas que tu la brises. Si, je suis obligé de la briser. La briser. Si, regarde, casser le palais mental, je peux pas, j'aurais pu ne pas aller dans l'atelier. J'aurais pu attendre, j'aurais pu ne pas y aller. Ah bah oui, parce que oui. Ouais, j'aurais pu pas y aller, justement, c'est ce que j'ai dit. J'aurais pu y aller sans Carl. J'en étais sûr! Et comme un con, je me suis dit, bah non, j'oublie Carl! Mais sauf que, et c'est après coup, je me suis dit, mais le jeu m'a pas demandé de le récupérer. Donc c'est que je pouvais y aller tout seul. Ça aurait rien changé. Bah, il aurait pas eu Carl. Enfin, ou alors il serait ramené après coup, donc peut-être. Parce que là, on voit quand même qu'il y a obéir à Carl dans les deux choix. Mais ça aurait été quoi le deuxième choix du coup? Bah, ça m'aurait sûrement amené à réagir, vu qu'il y avait pas Carl pour me dire non, on fait rien. Ouais, mais s'il n'y avait pas Carl pour me dire non, fais rien, mon cerveau serait pas. Le cerveau de l'Android serait pas dit. C'est maf, hein, c'est pas juste. À moins que si, il l'aurait fait quand même. Je sais pas. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre?
Vas-y, le suspect est à toi. Android ménager, ok. Oui, c'est vrai, ok. Ouais. Donc là, logiquement, il faut juste pas que je le fasse auto-détruire, quoi. Ah putain, il servait de truc à cigarette pour l'autre connard. Enfin, pour son propriétaire. Batte de baseball, ouais, ça, oui. Sécher de qui, okay. Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi, quel est ton nom? D'accord. Bon. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux ? Tu refuses de parler. Je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? As-tu ressenti de la colère? De la haine? D'accord. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Si tu ne parles pas, ils vont t'analyser minutieusement et te démonter pièce par pièce. Ils vont devoir te détruire. Tu me comprends ? Très bien, ne dis rien. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre, pas vrai? Si tu gardes le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends? Mourir! Je n'obtiens aucun résultat.
J'abandonne. Ah, oh, je suis trop violent comme mec. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Merde, qu'est-ce que tu fous? Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il s'autodétruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaye. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Chaleureux. J'aime bien le mot qui m'a été choisi. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier! Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce, et il ne vous causera aucun ennui. Bon, j'ai foiré l'interrogatoire. Bon. Tac 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 tac. Ouais, fait chier. C'est vrai que j'ai pas analysé son dossier. Je voulais l'analyser. J'ai fait ce qu'ils avaient dit, là, de faire tourner la souris, et en fait, il a cru que je m'étais assis. Donc, bah, je me suis assis. Ouais, en fait, je voulais faire monter et je me doutais qu'il fallait juste pas faire dépasser le truc, mais au moins rester dans la zone le plus longtemps possible, la zone qui était optimale. Et je l'ai eu limite. Parce que j'avais pas compris ce qu'il allait dire, en fait. Ce que c'était forcément les approches. Donc ouais, je me suis un peu fait baiser. Vous connaissez un endroit où vous pourrez passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. On trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. Oh, attends, je peux lui faire prendre tous les murs. Non, pardon, on va pas faire ça maintenant. Bam!
D'accord, merci beaucoup. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit ? Ok. Elle vient lui reprendre la main. Putain, mais... Ah, les animations ! Fantastique. Mais je peux pas, genre, interagir avec ? Bah... Attends. Ah non, je peux lui... Ok. Tu es frigorifié. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Oula, bonjour. Nous n'avons nulle part où aller. Bonjour. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Viens, Alice. Merci d'emprunter les bus de Détroit. On va tester, hein. Je pense que j'aurais peut-être dû explorer les autres endroits, mais bon, c'est un peu long. Elle a l'air abandonnée. Reste derrière moi, Alice. C'est sec à l'intérieur. Et personne ne nous trouvera ici. Ouais. Je veux pas dormir là-dedans. On peut pas trouver mieux. D'accord. On va trouver un autre endroit. En vrai, attends, je pensais que la voiture était complètement délabrée, mais en fait non, ça va, elle est juste abandonnée, mais il y a encore la vitre, il y a encore tout le truc en fait. Bon, là, il manque une vitre, mais voilà, attends. Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Chara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit, personne ne nous trouvera ici.
va? Oui, c'est juste une égratignure. Fais attention. Ne t'inquiète pas, on va juste jeter un œil. Ouais, mais ils ont abandonné, ça veut sûrement dire aussi des squatteurs, etc. Je sais qu'on est en 2038, mais quand même. Bon, ça doit être clouté. Attendant. Alice? Alice! Oh merde. Ah oui, non, elle l'a pas suivi, c'est vrai qu'elle est restée derrière. Ah non. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? De la visite. Ralph n'aime pas les visiteurs, ils sont dangereux. Ils peuvent blesser Ralph. J'ignore ce que les humains t'ont fait, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Tous les humains veulent nous faire du mal. Mais Ralph ne laissera pas recommencer, jamais, non, pas question. Je pensais que l'endroit était vide. On cherche juste un endroit où passer la nuit. Les visiteurs sont dangereux. Regarde ce qu'ils ont fait à Ralph. Il est brûlé. Un truc comme ça. D'accord. On s'en va. On te laisse tranquille. Viens là, Alice, viens. T'allais pas risquer. Il faut qu'on trouve quelque chose. N'importe quoi, juste pour la nuit. Courage, Alice, on va trouver quelque chose, je te le promets. Et il a mis la tête sur sa plaque de cuisson. Ah bah ouais, mec. Hein. C'est juste parce que j'ai au moins envie de faire tous les choix. Genre, il y en a un qui est vraiment loin, apparemment. Donc, je vais au moins le faire. Et sinon, après, je reviendrai vers la voiture. Parce que la voiture, en vrai, c'est un bon choix. Hein. Un endroit où dormir. Ah merde, pas envie de. Un truc qui est super cher. Il n'entre pas. On doit trouver 40 dollars et se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. Ouais, vas-y, fais-moi rien. Dormir au motel. J'ai pas. Bizarrement, j'ai pas envie de chercher des dollars là dans la ville. Si tu veux. Ni les vêtements. Ah, apparemment que. Ah putain, il y a le truc de l'automatique en face. Eh, ça c'est. Marte, hein. C'est moi la regarder là. Attends, c'est moi la regarder avant de tourner. Enfin, avant de traverser la rue. Il y a juste un mec. Ok, bah vas-y, on va faire ça. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Comme mon Insta, pourquoi ça? Mais qui dort juste? Mais qui dort juste apparemment. Mais c'est pas les mecs, c'est pas les vêtements du mec? Les vêtements, j'ai pas envie hein, parce que le mec il va sûrement se réveiller à tout moment.
Oh non, 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 non. Même si c'est pour Alice. Ah, c'est pour Alice. La situation buggée. Ah merde. C'est con ça. Ok, d'accord, donc là c'est... Ok. La musique à nouveau sur le devant de la scène, d'accord. D'accord. Ok. Linktober qui commence mal. Aïe! Bon. Je dors en motel, c'est trouver 40$, trouver des vêtements. Les vêtements, on va trouver, mais je vais pas les voler quoi. Puis 40$, what the fuck. Y'a un autre truc là-bas, what the fuck. Hein, c'est quoi. Après, si là j'arrive à trouver les 40$, bon, j'arrive à voler les vêtements, c'est pas grave. Si le mec se lève, je lui explique la situation. Et on espère qu'il est pas trop con pour comprendre. D'accord, c'est tout. Il n'y a rien d'autre par là. D'accord, non. Bon, bah, c'est juste de la merde. Juste. Ah, il y a un panneau. Non, en vrai, Alice, elle a envie d'aller au motel. On va au motel. Hein. Donc, je vais trouver les 40$. Là-bas, what? J'ai pas vu ça là-bas. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Merde. Une androïde sans abri? Ça, c'est la meilleure. Écoute, t'es dans une supérette. Pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Ah. Mais si je vole l'argent maintenant, enfin, je vais aller dans le motel qui est juste à côté de la rue, il va me voir. Enfin, au dessus. Putain, oui, c'est vrai qu'elle a perdu la sienne. On a foutu. Allez, vas-y. Utilisez Alice, vraiment. Ah non. Mais ça, je peux le faire tomber? Ah. Hein.
Attends, elle peut mettre quoi? Hé hey, qu'est-ce que tu fais, putain? Repose ça tout de suite. Écoutez, je suis désolée. Ouais, c'est ça. Foutez le camp de mon magasin. Viens, Alice. Bon, en tous les cas, je pourrais pas dormir au motel. Ne crains rien, Alice. On va trouver un endroit où passer la nuit. Où je cuis mes crêpes en regardant le stream. Et écoute, bonne crêpe. Donc le motel, c'est mort. Donc c'est forcément la voiture abandonnée. Hein. On ferait mieux de rester ici, Alice. L'important, c'est qu'on soit à l'abri. Et c'est juste pour cette nuit. Jamais aimé. Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'étais pas assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. On ne pouvait pas être heureux. Je ne sais pas, Alice. Tu me quitteras jamais, hein. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Voilà. Oh, je bois tellement, c'est trop. Ah, le jeu qui a crash. On se ressemble pour toujours. Oui. Non. Oh merde. Ah c'est le... En fait elle est rentrée dans le code du jeu. Et genre moi j'ai menti à la gamine. Et la meuf elle est rentrée dans le code du jeu. Elle a fait frérot non. Et elle a éteint le jeu. Putain bouteille de merde tu te refermes. Oh. Ah c'est beau. Ah oh, c'est beau comment ça marche. Ah oh, c'est beau comment ça marche pas. Bah écoutez, je vais vous remettre le jeu, hein. J'espère que ça a sauvegardé par contre. Enfin genre tant pis, on se retape la cinématique au pire, hein, mais c'est un rip, mais le pire rip que j'ai jamais vu, hein.
Ah, il va mettre un peu de temps à se lancer, mais. Oh putain! Mais pas dans un moment comme ça en plus! D'ailleurs, je me dis, mais enfin, en plus, j'étais en train de me demander, mais quand est-ce que je lui donne la peluche à la gamine? Enfin, je viens de lui voler une peluche et je lui donne pas? Oh putain! Continuez, ne me parle pas. Ah mon Dieu, mais c'était. Jamais connu ça. Ah c'est. Ça rappelle un autre live où j'avais pété un. Enfin, j'avais éclaté de rire pour un même truc, je crois, mais je sais plus ce que c'était. Tu la vends pour l'hôtel? C'est une solution. Ah non, tu parles de la peluche? Non, je crois que tu parles de la gamine. Vraiment, j'ai pensé pour les oreilles que tu parlais de la gamine, du coup je commence à répondre second degré. Mais non, tu parles de la peluche, je suppose. Pardon, oups là! Oula! My bad. Non, c'est moi. C'est parce que c'est toi, Romain, aussi. On ferait mieux de rester ici, Alice. Il sert le Nico. L'important, c'est qu'on soit à l'abri. Et c'est juste pour cette nuit. Jamais aimé. Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'étais pas assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. On ne pouvait pas être heureux. Je ne sais pas, Alice. Tu me quitteras jamais, hein. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Nico, tu refuses de te vendre. Ok, c'est bon. C'est vrai qu'il avait beaucoup de choix, hein, ça se voit. Mais j'aurais pu. Voilà, ouais. Ok. Rencontrer Ralph. Ouais. J'ai abandonné parce que j'avais peur qu'il plante la gamine. Tellement de route unlock, mais oui. T'as vu, c'est beau, hein. Ah, ouais. Oula. Diagnostic sur lui-même. Le mec arrive à voir, le mec arrive à se voir en 3e personne. Donc Scott en processeur audio endommagé, ok, donc c'est pour ça que les bruits sont chelous. Vision défectueuse, ok. Bon, ça c'est déjà fait. Système en mode économie d'énergie, ok.
Jambe gauche et droite disparu. Ah. Ah là c'est RP. Je me suis foiré au niveau du retournement, c'est normal, il est handicapé. Pas de jambon quoi. Nager, donc là il va falloir autre part. Bon, du coup on sait pas qui c'est. C'est quelqu'un qu'on a déjà vu tout à l'heure au début du jeu, donc peut-être l'autre là qui est tombé. Non. Donc ouais. Ah putain oui, je peux rien faire avec. Ah. Si je veux aller visiter un truc. Un endroit où on peut être libre. Trouve Jéricho. Trouve Jéricho. Oh. Ok. Thank you.
Ah oui. Ah, c'est beaucoup plus de bordel. Là. Ah merde. Faut que j'en place d'avoir été sur le bagage de toute façon. Ah. Il est compatible en plus. Oh. Oh, let's go. Bonjour. Je suis un androïde AK-700. J'ai été conçu pour vous servir. Que puis-je faire pour vous ? Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter le centre de maintenance CyberLife de Tupac. Gravir la pente. C'est tout ? Ah merde. Okay. D'accord. C'est vraiment tout ce que j'ai à faire apparemment. Donc... Ah merde, putain, faut que je reste tapé, ok.
Oh. Ça devient littéralement un humain. Juste en retirant la puce. Je m'appelle Marcus. Ok, donc c'est mon puce. J'en étais sûr que je pouvais faire autre chose. Mais il est revenu entre les morts. Mais on l'a pas vu mourir en fait. On l'a vu. On sait juste qu'il a été pris par la flèche. Ah non, non, il s'est pris. Tiens, il s'est fait tirer une balle dessus, dans la tête. Et après, donc on suppose qu'ils l'ont envoyé dans une décharge pour juste le poser là. Mais attends. Il a retiré la puce et tout de suite ça devient un humain. Est-ce que c'est genre une métaphore? Mais c'est, là c'est plus qu'une simple métaphore, genre c'est littéralement ce qui se passe. Genre c'est une métaphore mais qui est rendue physique et possible. Mais en gros la métaphore ça serait... Bah le... Genre ouais, son mental et son âme humaine a pris le dessus clairement sur, sur le simple fait que ce soit un droïde, enfin un androïde avec, avec des composants etc. Et du coup ça fait qu'en fait l'utilisation de la puce est plus... n'est plus nécessaire pour sa vie en fait, pour sa survie. Donc en fait il l'a retiré sans même être désactivé, sans même avoir mal ni rien, il a juste enlevé un truc qui ne lui était plus nécessaire. Il s'appelle Connor, mais c'est Marc. Nous, c'est un autre Connor, apparemment. Je suppose. Ok, non, c'est juste qu'il y a deux choses à faire différentes. Ok. On marque les gars. Bon, je vais faire le tour. Vraiment aller là-bas ou au niveau du centre de la truc. Ok. Je regarde si je loupe pas vraiment des choses. On sait jamais. Bonjour Amanda. Connor, contente de te voir. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Tu as fait preuve d'une compétence remarquable. Mais tu savais que les déviants pouvaient être instables.
Tu aurais dû faire plus attention. Je pensais pouvoir le faire parler. Erreur de jugement de ma part. Peu importe. Je suis sûr que tu seras plus prudent à l'avenir. L'interrogatoire a dû être... délicat. Qu'as-tu pensé du déviant ? Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui ? Je pense qu'il est irritable. Et plutôt misanthrope. Mais je pense aussi que c'était un bon détective avant. C'est un personnage fascinant. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Oh, c'est marrant ça. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. CyberLife a inventé des androïdes. Fais vite, Connor. On manque de temps. Ils ont inventé des androïdes pour corriger les erreurs qu'eux-mêmes ont fait sur d'autres androïdes. Let's go. Enfin, ils font le travail des autres. Enfin, bref. Bon, alors visiblement, ça lui a pas plu que je dise que je m'adapte à sa personnalité. Et en vrai, je peux comprendre pourquoi, mais avec la réponse qu'a donné. En fait, je suis d'accord pour le fait que ce soit pas forcément la meilleure chose à faire. Faut toujours avoir plusieurs idées différentes et confronter les opinions ainsi que les personnalités pour souvent faire avancer l'enquête ou toute autre chose. Mais oui, c'est vrai que là, dans l'optique de ne pas ralentir l'enquête, justement, c'est mieux aussi de se fier à Anderson. Même si, bon, Anderson, là, j'ai dit à Amanda que je me fie à sa personnalité, enfin que je me collerai à sa personnalité, etc. Bon, si vous voulez, depuis le début, depuis que j'ai été avec lui, je l'ai jamais vraiment écouté, j'ai jamais vraiment été conforme à ces trucs. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 3h et quart que je tourne. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Le jeu, voilà, là on est arrivé sur un point de pause, je pense. Là c'est juste on reprend Connor et on doit aller encore voir le lieutenant. Donc je vais juste, voilà, menu principal, confirmé. Tout a été sauvegardé. CyberLife, l'entreprise qui m'a fabriqué, réalise un sondage des utilisateurs. Voulez-vous y participer ? Let's go. Très bien, allons-y. D'accord, il y a un mini-jeu en dehors du jeu. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ayant une apparence humaine ? Êtes-vous un gros pervers dégueulasse ? En soi, non. Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité ? Bah chérie, elle le fait déjà. Si vous partiez vivre sur une île déserte, j'ai dit non, alors je n'ai qu'un seul objet. Lequel serait-il ? Je peux faire retour et revenir. Ça, il y en a un dans le chat, je pense qu'il sait pourquoi. Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie ? Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience ? Croyez-vous en Dieu ? Israël ou Palestine ? Je ne sais pas. Laisseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants ?
combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques ? Combien de temps par jour ? Plus. Pour une intervention je travaille avec. Urgente, accepteriez-vous que ce soit une machine qui vous opère ? Non. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience ? Si on arrive à aller aussi loin, oui. À l'oral j'ai dit oui, mais j'ai répondu non comme un con parce que je suis resté calqué sur cette réponse là. My bad. J'aurais dit un instrument, mais j'ai réfléchi et je me suis dit papier un stylo, comme ça tu peux faire des calculs. T'as besoin de t'échapper de cette île. Mais bon, en soi on a dit de partir vivre. Mais du papier un stylo plus qu'un instrument, parce que moi j'écris des musiques, je les compose pas. Pas spécialement, on va dire. De toute façon, c'est juste un sondage pour montrer juste la réponse des gens, donc c'est marrant. En soi, oui, ici. Fin... C'est juste qu'après, à l'intérieur, comment c'est robotique ou c'est toujours synthétique. Bref, on peut se barrer. Donc, je disais, supplément, nouveau. Tiens, il y en a beaucoup. Voici okay. La section supplément. En jouant, vous déverrouillerez toutes sortes de contenus à consulter ici. D'accord. Donc. Voilà. On va enfin faire ça. Voilà. Donc bah du coup, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur Detroit Become Human. Avec ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu malgré le début chaotique. Parce que je voulais faire un truc classe avec l'intro qui arrive pendant la musique, etc. Sauf que bah j'ai de une pas pris en compte le fait qu'il y avait le plein écran qui me gênait. Et de deux... mon micro, j'ai oublié de l'allumer avant de mettre le plein écran justement, mais je pensais pas en fait c'était le plein écran qui était surtout la principale erreur. Et aussi le fait que... Oui, il y avait les bruits Windows aussi, le fait que j'ai lancé le jeu, il a pas voulu se lancer vite, j'ai paniqué, du coup j'ai relancé le jeu, Steam m'a dit « Eh mais tu lances déjà un jeu !» Du coup il y a eu le message d'erreur Steam, sauf que le jeu s'est lancé entre temps, du coup je pouvais pas accéder au message d'erreur vu que je pouvais pas faire Alt-Tab, du coup déjà une, je pouvais pas voir si tout marchait bien, je pouvais pas régler mon micro, je pouvais pas enlever le message d'erreur Steam, sauf que quand je cliquais à côté, en fait, vu que le jeu n'était pas encore mis pleinement au plein écran, je pouvais toujours pas interagir avec mon bureau, mais il considérait que j'interagissais avec le message d'erreur Steam. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait les bruits. Donc bon, j'ai failli l'intro. Mais en soi, non, bah, malgré l'intro qui a été fail, mais j'ai rien regardé le retour en vrai, parce que j'ai envie de voir à quel moment j'ai réussi à caler l'intro du jeu. Mais en tout cas, mis à part ça, j'espère que cet épisode vous aura plu, ce premier épisode vous aura plu sur ce jeu. Au début, je voulais lancer le truc tôt, donc vers 18h, hein, comme ça s'est déroulé, et juste faire toute la soirée comme ça, genre faire le jeu, aller manger et revenir. Mais en vrai, 3 heures de stream, et puis je pense pas, enfin, en vrai, c'est mieux pour on va dire l'envie du beau jeu, c'est mieux de découper. Non pas faire tout d'un coup, même si je suppose que je n'allais pas finir le jeu en une soirée, mais juste pour moi en fait, pas juste perdre l'intérêt au fur et à mesure et en avoir marre, et me forcer à le faire juste parce qu'il y a un stream. Donc voilà, c'était Detroit Become Human pour le premier épisode. En vrai le jeu, enfin, j'ai voulu y jouer et je l'avais mis dans la liste de souhaits Steam, parce que le jeu en fait, j'en avais déjà entendu parler, et ça parle de sujets effectivement qui sont, alors avec les androïdes c'est pas du tout d'actualité, mais quand on retranspose ça avec la société actuelle, bon bah on voit clairement des messages qui sont dissimulés partout, et le jeu en regorge, en plus, enfin, il y a ça, donc que j'adore, en plus il y a différentes histoires qui amène plusieurs aspects, et ça c'est cool, enfin c'est super bien raconté la manière dont ça a été découpé, enfin c'est super bien fait la manière dont ça a été découpé, parce que du coup ça fait que c'est super bien raconté. Il y a les graphismes, ça j'en ai déjà parlé à un moment au début du jeu, les graphismes qui sont fantastiques, après il faut avoir un plus gros PC pour pas vraiment faire tourner avec le flou mouvement, etc. Parce que le flou, pour mes yeux j'aime pas ça. Mais en tout cas, même mon PC n'arrive pas forcément à faire tourner avec le flou de mouvement, etc. Forcément, tout un jeu. Il y avait déjà eu ça avec Resident Evil, hein, donc j'ai déjà aussi enlevé le flou dans Resident Evil 2. Donc là, bah, je l'ai fait aussi. Il y avait aussi ce côté, comme j'ai dit, hein, côté cyber qui est vraiment là et genre qui est incroyable.
parce qu'on sent vraiment, en fait, on sent vraiment que dans le jeu, mais dans l'histoire, genre avec les humains, avec les PNJ, avec les personnages, genre il y a de la technologie. Mais genre, alors que c'est juste des messages pour nous, le joueur. Mais genre ils arrivent tellement à faire les transitions, genre le texte qui est dans le jeu en fait. Et genre ça c'est un truc vraiment vraiment bien qu'ils ont réussi. Alors que le jeu est sorti en je sais plus quelle année. Hein. Ouais, mais ouais le jeu je sais plus en quelle année il est sorti. Ouais, prends une 4. Alors j'aime bien parce que le message est, je vois dans le stream chat là, le message est dégueulasse. Faut vraiment que j'arrive à avoir une boîte, une chatbox qui est genre mieux faite que ça, parce que what the fuck, pourquoi elle est baisée? Paramètres de la police. Bon, je le ferai plus tard. Mais du coup, voilà. Donc j'espère que. Oui, non, il y avait ça. Il y avait donc ouais, le jeu, la tournure qu'il a, les graphismes, tout ça. L'audio aussi qui est bien, qui est super. 2018. Putain, 2018. L'audio qui est pas très bien réussi. Hein. Il y a les voix, la VF est incroyable, enfin incroyablement bien. Tout ce qui est sound design, les petits effets sonores quand tu ouvres une porte, un truc comme ça, ça c'est super bien respecté aussi. Je reviens sur les graphismes. Quand tu marches sur les marches, tes pieds, enfin les pieds du personnage sont sur la marche. Pareil, la gamine qui se frotte les yeux, t'as vraiment le plissage des yeux au moment où elle passe le doigt. Enfin mec, c'est des détails. Genre what the fuck. Bon après 2018, donc c'est vrai que voilà. J'allais dire à GTA, ils ont pas fait ça, mais GTA c'est 2013. Enfin de GTA 5 je veux dire. Donc oui, forcément, il y a de l'amélioration et voilà. Mais ça fait plaisir de voir ça. Ça prouve que voilà, puis ça prouve qu'on avance. mais ouais, donc le jeu est incroyable. Hâte de faire la suite, bien évidemment. Hâte de découvrir ce que le jeu nous réservait pour chacun des personnages. Peut-être qu'ils vont se rencontrer. Je sais plus si t'as vu Unreal Engine. Non, pas encore. L'Unreal Engine 5, j'ai pas encore vu. Mais c'est vrai que c'est j'ai hâte de voir en fait ce qu'ils vont faire. Est-ce que les histoires vont rester indépendantes jusqu'au bout? Ou est-ce que. Oh, putain, attends, faut vraiment que je règle la chatbox parce que du coup c'est illisible pour vous. Tac 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 tac. Au pire, je suis ça comme ça, en fait, je suis un peu con. Voilà, pardon, pardonnez-moi. Je règle la chatbox. Je vous règle vous. Ok, normalement, ça doit être bon. Ouais, on va dire oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc oui, voilà. J'ai envie de voir là, en fait, jusqu'où ils vont amener les histoires. Est-ce que les histoires vont se rencontrer? Est-ce que les personnages vont se rencontrer? Est-ce que ça va juste être totalement disloqué du début jusqu'à la fin, mais tout en gardant les messages, les tournures qu'ils veulent faire prendre à chacun des personnages, à chacune des situations, parce que ce sont différentes situations. Mais voilà. Sinon, ouais, je suis plutôt heureux en fait de jouer à ce jeu, parce que ouais, c'était un nom que je voyais je voyais partout quand il est sorti et un peu encore après. Et ouais, genre j'avais vraiment envie de le tester pour voir les messages qu'il y avait derrière. Et donc ouais, je suis agréablement surpris de la que ce soit pour le jeu, le gameplay, l'histoire, mais aussi pour ouais, tout ce qui est technique derrière, les graphismes, les animations, le son, etc. Genre bonne petite pépite de jeu vidéo. mais ça je pense que les gens le savaient déjà hein, parce que moi j'arrive en retard 4 ans après que le jeu soit sorti, mais bon, on ne se colle pas à une mode, on devient à la mode. Enfin la mode est déjà passée, mais je la relance, tu vois, je la relance avec mes 3 viewers. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. On continuera quand je pourrai continuer. On n'a pas le même level avec Dominance. Ouais, non, vous êtes au dessus avec Dominance. et puis, ah, trop bien, vous êtes illisible la chatbox. Putain, mais... Bon, je vais régler ça plus tard. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur Detroit Become Human. La suite arrivera prochainement, bien évidemment. Moi je repars en cours pendant la semaine qui suit. Et à voir comment ça va se tourner, voir si, là je raconte ma vie, mais voir si je vais réussir à enfin, voir si je vais rentrer le week-end prochain en vrai. Ça se trouve, non, mais on verra. En tout cas, merci à tous.
C'était Mister Programme, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, bref, une bonne vie. C'était Mister Programme pour vous divertir en cette journée, en ce samedi 1er octobre. Passez un bon mois d'octobre si je vous reparle pas d'ici là, mais normalement si. Et en tout cas, ben, devenez spooky. On est dans le bon mois pour ça. Merci à tous et à la prochaine. La bise.